Who's there? Brooke? All right, you son of a bitch. Give me all your money. C'est l'histoire d'un psychanalyste dont un des patients est assassiné, il est poignardé. Or, sa maîtresse est suspectée. Mais le psychanalyste va vite se rendre compte que cette femme n'est pas au-dessus de tout soupçon. Il va mener sa propre enquête. Et bien entendu, dans ce genre de film, eh bien, le psychanalyste va tomber amoureux du suspect. Et ça, c'est pas bon pour lui. Non, parce que tomber amoureux de quelqu'un qui est potentiellement un tueur en série, Charles, oui, c'est un peu compliqué. Absolument. C'est réalisé par qui? Alors, c'est Robert Benton, qui est né en 1932. C'est un scénariste au départ. Un film très célèbre à son actif, Bonnie and Clyde, d'Arthur Penn. Les fameux bandits, les gangsters, hein, Warren Beatty et Faye Dunaway. Son plus grand succès, c'est Kramer contre Kramer, superbe film sur le couple, l'enfance, magnifiquement interprété par Meryl Streep, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce film, et qui reste vraiment son œuvre maîtresse. Here are my keys. Here's my American Express card. Here's my Bloomingdale's credit card. Here's my checkbook. I've taken $2,000 out of our savings account. Les films qu'il fera par la suite, d'ailleurs, également, sont beaucoup plus des drames psychologiques. Billy Bathgate, drame psychologique sur fond policier, ou Le poids du mensonge, d'après Philip Roth, des drames, en général, très bien interprétés, qui ont une ambiance. Son chef-d'œuvre, il ne le doit pas seulement à lui-même. Non, non. Il le doit, bien entendu, au duo d'acteurs de Kramer contre Kramer, qui sont absolument extraordinaires, qui sont peut-être deux des plus grands acteurs mondiaux, Dustin Hoffman et Meryl Streep. Oui. Et Meryl Streep, eh bien, on a la chance de la retrouver dans cette histoire. Oui, donc Meryl Streep, peut-être la plus grande actrice vivante en activité. Née en 1950, elle a mon âge. Parenthèse. Et Meryl Streep, qu'on a découvert, peu de gens peut-être s'en souviennent, dans cette série télé assez marquante sur les camps de concentration, Holocaust, et qui fera par la suite une carrière cinématographique absolument majeure. Elle a tourné avec les plus grands et des films d'une qualité exceptionnelle. Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, c'est elle. Manhattan de Woody Allen, c'est elle. Le choix de Sophie d'Alan Pakula, où on retrouve le nazisme, c'est elle. La dame de fer, Margaret Thatcher, elle a joué. Elle a même chanté, dansé, Mamma Mia, la comédie musicale d'après les tubes d'ABBA. Bref, une carrière extraordinaire. Plus récemment, Spielberg, Pentagon Papers, le meilleur film de Spielberg politique. Les films politiques de Spielberg, tu es d'accord avec moi, on accroche rarement. Ouais. Celui-là, sur l'affaire Nixon, etc., est parfait. Donc, une actrice tout à fait remarquable et qui, ici, interprète un personnage à la Hitchcock. Ouais, totalement. Bon, y a un petit peu de Kim Novak, ouais, dans Sueur froide. Hein. Oui. Son partenaire est un acteur intéressant, un peu moins connu quand même, qui nous a quittés en 2008. C'est Roy Scheider, qu'on a traité dans Marathon Man, et que je pense tous ceux qui ont vu le film se souviennent de sa création dans Les Dents de la Mer, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Sa carrière est plus inégale, hein, que celle de Meryl Streep. Je signalerai encore la mère de Roy Scheider dans le film, et là c'est vraiment plus qu'un clin d'œil à Hitchcock, c'est Jessica Tandy, qui était la mère de Rod Taylor dans Les Oiseaux. Ouais. Donc les références à Hitchcock sont énormes. Il y a une vente aux enchères qui fait penser à La mort aux trousses, celle de La mort aux trousses étant plus drôle. Ouais, ben voilà, Charles, tu l'as dit, hein, inspiré par Hitchcock. Alors, des inspirés par Hitchcock, il y en a eu d'autres. Ah, et oui, quand on voit ce film, eh bien, on a plusieurs références qui nous viennent à l'esprit. Bon, la première, pour moi, c'est Pulsion, de Brian De Palma. Pulsion, dont on sait que Brian De Palma, en tout cas, on sait qu'il s'est beaucoup inspiré d'Hitchcock pour faire ses films. Et là, Pulsion, en particulier, nous ramène à La mort aux enchères, puisque c'est aussi l'histoire d'un psychanalyste et d'un tueur en série. Et c'est tourné à la même période, pratiquement. Tourné à la même période, en plus. J'y ai vu aussi un autre film qui a dû, pour moi, beaucoup s'inspirer de Kim Novak et de Meryl Streep. C'est Basic Instinct, qui nous ramène dans cette histoire de blonde fatale, de blonde que tout accuse,
Et on va voir à la fin que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, les femmes fatales au cinéma américain, c'est presque une obligation. Depuis les années 40, Barbara Stanwyck, Assurance sur la mort, bon, il y en a eu beaucoup. Hein. Glenn Close, bien sûr, une liaison fatale. Ça, depuis toujours, hein, les femmes fatales, on la cote. Voilà. À Hollywood. Donc pour l'instant, on est bien. Alors on a un casting aux petits oignons. On a une histoire thriller giallo inspirée par Hitchcock. Alors moi et Charles, on est fans absolus. Et le film commence. Allez, voyons ce que ça nous donne. Et là, au bout de 5, de 6, de 7 secondes, je peux vous dire que je me suis rendu compte que le bas blesse. Mais qu'est-ce que c'est que cette réalisation ? Donc c'est pas un bas, c'est une chaussette. Mais il nous a refait Kramer contre Kramer dans une histoire à la giallo. Un thriller, un giallo, ça a une lumière particulière, ça a des mouvements de caméra particuliers, ça flirte avec l'extrême. Nous, ce qu'on aime dans ce genre de film, c'est l'extrême. Quand on a un personnage de femme fatale, eh ben, on veut des scènes érotiques, on veut que, waouh, voilà, ça parte dans quelque chose de sadomaso. Elle est nue à un moment, Meryl Streep. Alors, elle est nue, alors il faut la regarder avec des jumelles, ah, elle passe comme ça, on voit un petit peu son arrière popotin. Notre cher réalisateur, il aurait dû rester dans sa spécialité. Kramer contre Kramer est incroyable, il est incroyable parce qu'il arrive à ramener de l'émotion dans le quotidien. Dans Kramer contre Kramer, quand Dustin Hoffman il fait des œufs brouillés pour son fils, ça devient une séquence d'émotion. Et ça, c'est du génie. Ça, c'est rare de voir ça au cinéma, de voir quelqu'un qui est capable de nous faire surgir de notre train-train quotidien de l'émotion. Ça, c'est génial. Mais il ne fallait pas du tout qu'il s'attaque à un thriller giallo. Il faut laisser ça aux spécialistes parce qu'encore une fois, quand on regarde ce genre de film, on sait qu'il y a plein d'incohérences. Il y a plein d'incohérences dans Basic Instinct. Il y a plein d'incohérences dans Pulsion. Il y a plein d'incohérences dans les films de Dario Argento. Mais tous ces films-là, les incohérences sont masquées par la qualité de la réalisation, sont masquées par les ellipses, sont masquées par le montage, par les mouvements de caméra, par les cadres, par la lumière. Mais si on ne fait rien de tout ça, ben les incohérences, elles explosent à la vue. On sait bien que dans un giallo, il n'y a pas de profondeur dans les personnages, que c'est l'histoire qui est importante, c'est l'intrigue, c'est le suspense, il n'y a pas de réflexion. On le sait, mais encore une fois, tout ça, c'est masqué par la réalisation. Et si ça ne l'est pas, on découvre à nu tous les problèmes de la direction de l'acteur. J'avoue, moi, que je passe un bon moment. C'est certainement pas un chef-d'œuvre. Effectivement, le metteur en scène n'est pas du tout à l'aise dans le thriller. Mais ça reste un film d'ambiance. La vente aux enchères, c'est une excellente ambiance. Les décors, enfin, moi, j'ai passé un bon moment. Je vois ça comme un film de détente, sans me poser de questions sur l'histoire, l'invraisemblance. Je me laisse aller. Dans ce genre de film-là, il y a un élément qui est indispensable. Oui. C'est l'élément qui est aussi fort que le cadre, aussi fort que la réalisation, c'est... La musique. Sais-tu qui a composé la musique ? Mais je veux pas le savoir parce que je veux pas le connaître. Si, laisse-moi quand même le dire. C'est John Kander. C'est un compositeur de comédie musicale. Puisqu'il a composé New York. Chicago avec Richard Gere. Là aussi, j'avoue que je me suis posé la question, comment se fait-il ? C'est comme si on avait demandé à Florent Pagny de composer la musique. J'ai d'ailleurs pas compris pourquoi, parce que j'ai regardé un peu la filmo, entre guillemets, de John Kander. Il a fait très peu de musique de film et on l'utilise souvent pour des chansons qui sont très bonnes. New York, c'est excellent, hein. Mais il est, ça, c'est, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que il y a pas de raison. Ce serait un thriller musical à la rigueur et encore. Malheureusement, en plus, j'ai vu le film en VF. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que déjà, les acteurs, quand on les voit jouer, on se rend bien compte qu'ils sont complètement perdus, qu'ils savent pas qui ils sont. Mais alors, ce qui est génial, c'est que les voix françaises, ils sont encore plus perdus que les acteurs. Bah, ils savent encore moins où ils sont, quoi. Alors, je donne un exemple. L'agression de Roy Scheider
dans Central Park. Mais alors ça, c'est un bijou. Oui, monsieur, vous avez quelque chose à me dire? Roy Scheider, il commence à lui faire des explications, mais on se dit, mais là, franchement, c'est un grand moment de cinéma parodique, quoi. My wallet, don't you? Master Charge, Visa, American Express. Huh? Hey, look, man. If you try some with me... Oh, no. No. I just want you to stay here and watch me and make sure I get out of the park, okay? Okay? Ce film, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, ça a été fait, effectivement. Mais ce que tu dis est intéressant. Mais moi, je répète, j'ai eu du plaisir à le voir. C'est vrai que bon, je me suis pas posé ce type de questions. Mais on est bien d'accord. Pour la musique, là, je te rejoins totalement. Juste pour terminer, le titre original n'a rien à voir avec les enchères. C'est The Still of the Night, le silence de la nuit. Bon, pourquoi pas? Ouais. Pour terminer, moi, je vous conseillerais de ne pas aller le voir. Moi, je ne vais pas le recommander, mais je dirais qu'on peut quand même mettre une enchère sur ce film. Mais pas trop. Gardez votre argent pour autre chose. Allez pas le voir, c'est nul. Non, allez-y. Allez-y. C'est pas terrible, quoi. C'est intéressant. C'est ennuyeux. C'est pas mal. À bientôt.